Pour mon maquillage de Noël, je commence tout d'abord par hydrater ma peau. Donc j'utilise un hydratant que j'ai reçu dans la Bitrousse à l'aloe vera, qui est état pur, actif pur à 31. Donc c'est pour les peaux déshydratées et en ce moment, pour l'hiver, ça me convient parfaitement. Alors ensuite, j'applique la BB crème de chez Je m'amabeline. Donc c'est la Dream Pure BB Crème 8 en 1 et j'utilise toujours la teinte médium. Donc je l'applique avec mon pinceau de chez Dior à fond de teint comme toujours. Alors ensuite, je vais utiliser le fond de teint de chez Catrice. Donc c'est un plus foncé. C'est le 030 Honey Ultimate Moisture. Donc je vais l'appliquer avec l'éponge de chez H&M qui est un peu un dupe de chez Beauty Blender. Donc je vous en reparlerai ça dans une nouvelle vidéo avec plaisir. Donc ensuite, je vais utiliser un illuminateur de chez Catrice et je l'utilise toujours avec l'éponge de chez H&M. Alors ensuite je vais utiliser une poudre compacte avec mon pinceau de chez Estée Lauder. Donc c'est une poudre que j'ai reçue dans la swap avec Mel. Comme fard à paupières j'utilise celui de chez Essence, donc c'est le 03 Starlight Sparkling Effect. Donc c'est un pailleté super argenté. Il est vraiment magnifique. Donc je l'applique avec mon pinceau de chez Kruidvat tout simplement. Et je l'applique sur ma paupière mobile et je vais au creux de ma paupière, enfin entre ma paupière mobile et immobile et je monte un petit peu. Donc voilà, je fais pas grand chose hein. J'essaye d'estomper pour pas avoir la démarcation. Donc ensuite, je vais utiliser un gris taupe qui est le taupe de chez Moon Graffiti, que j'avais eu. Donc c'est la marque plutôt, enfin j'avais eu sur le site Moon Graffiti, mais c'est la marque Paris Axe que je vais mettre sur ma paupière immobile pour fondre l'effet argenté. Et en dessous de mon sourcil et au creux de mon œil, je vais mettre de la palette Sleek, le fard à paupières Nougat. Donc ensuite, je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC sur mon pinceau Estée Lauder et je vais appliquer les paillettes de chez Clairess que vous achetez en petit pot qui vont 10 fois mieux que leur palette à paillettes. C'est plutôt des petits pots et vous avez des paillettes à libres comme ça, mais avec le Fix Plus de chez MAC, ça fonctionne très bien et ça reste toute la journée sur votre paupière sans problème. Donc n'hésitez pas à en mettre si vous voulez vraiment un effet pailleté. Hein. Et ensuite, je vais utiliser le bleu nuit de chez Yves Rocher, qui est une série limitée pour les fêtes. Donc ensuite, je vais utiliser mon mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Je sais, j'en ai tout plein, mais j'utilise que celui-là. J'adore vraiment le résultat. Et ensuite, j'utilise le rouge à lèvres de chez Catrice, qui est le Red Up, qui est magnifique et que j'adore. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous embrasse. Gros bisous!